Ça jase à Lyon avec Alexis André. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin l'aventurier lyonnais Charles Edrich. Bonjour Charles Edrich. Oui, bonjour. 6 mois après votre dernière expédition, vous êtes déjà de retour sur le terrain hein, puisque le 20 mai à Paris, vous allez vous lancer dans un Tour de France à la rame sur les canaux de notre pays. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce périple qui fera 3000 km ? Bon, les canaux et les voies navigables de France, c'est un patrimoine absolument extraordinaire. Oui. Partout en France, que ça soit à 10 km à l'ouest de Paris, dans Paris même, avec le canal Saint-Martin, le canal du Midi, je donne quelques endroits, la Saône, le Rhône, le canal latéral de la Marne, le canal de Bourgogne, tout ça, c'est absolument magnifique. Ce Tour de France à la rame, on peut le faire dans l'intégralité en restant sur l'eau. Oui, c'est pas comme le Tour de France cycliste hein, où il peut y avoir un peu de triche et de la voiture entre différentes étapes. Là, vous pouvez tout faire en bateau. Tout faire en bateau. Il y a beaucoup de gens que ça étonne. Il y a simplement un peu d'Atlantique à faire, mais moi, ça me plaît énormément. Oui, j'imagine. Mais de l'embouchure de la Bourgogne, de la Gironde jusqu'à la Vilaine pour couper donc la Bretagne. Là, je suis obligé d'emprunter un peu l'Atlantique. Et puis après, un peu de Manche. Mais c'est magnifique aussi pour rentrer à la baie de Somme. Pour moi, cerise sur le gâteau, ce Tour de France à la rame ne s'est jamais fait. Donc vous serez le premier. Voilà. Vous avez l'habitude de faire de la navigation en haute mer. Là, les canaux, ça va être totalement différent. Vous avez un minimum d'expérience en la matière ? Alors, il se trouve que j'avais fait un prologue, une animation, on peut dire. J'étais parti du canal Saint-Martin, du canal de l'Ourcq à Paris. J'avais traversé Paris pour rejoindre le Havre. Mais c'était dans le cadre de mon aller-retour sur l'Atlantique à la rame. Et j'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Le canal Saint-Martin ou le canal de l'Ourcq, c'est fantastique. Et puis, je m'étais aperçu justement qu'à 20 km à l'ouest de Paris, on est en pleine nature. C'est déjà l'aventure. J'avais fait une escale sur une petite île en région parisienne. J'avais l'impression de me trouver en Finlande ou au fin fond de la Norvège. Ça m'a donné cette idée. Et en plus, j'ai le bateau. Je reprends le bateau que j'avais sur le passage nord-ouest, le rameur des glaces, qui est parfaitement adapté pour cette expédition. Il est à fond plat, donc ça me permet de passer même dans 10 cm d'eau. Je le transforme, je le tire derrière moi comme un chien en laisse. Et puis, il est extra solide. Disons, il est indestructible hein, dans la mesure où je l'ai tracté sur des icebergs, sur de la glace. Même dans des rivières ou des cours d'eau un petit peu tumultueux, on va dire, je peux percuter des bouts de rochers sans aucun problème. Oui. Donc, il est très léger, il est en Kevlar carbone. 160 kilos, donc je vais vite. Et puis, il est quand même suffisamment marin pour justement pouvoir aller en mer, Atlantique ou mer du Nord, Manche. Est-ce qu'il a fallu le rafistoler ? Parce qu'il a quand même tout connu récemment, être soulevé par une baleine, une attaque d'ours, un incendie, un coup de fusil ? Alors, non, pour l'instant, l'incendie, c'est toujours brûlé à l'intérieur, mais d'accord. Je vais être quand même souvent à l'extérieur pour cette expédition. Alors, le coup de fusil, si... on a mis quelques rustines et le trou est bouché. Et donc là, forcément, cette année, vous n'allez pas prendre le fusil pour faire les canaux de France. Ah bah non. Donc là, ça va être beaucoup plus calme. Ouais. En principe, il n'y a pas d'ours blanc. Ah si, il y a peut-être des silures. Oui, mais faut pas laisser traîner la main dans l'eau. Si, alors j'ai mon petit chien qui va participer à l'expédition. D'accord. Corgan, qui est très très bon nageur. Et de temps en temps, justement, il sera attaché quand il y a beaucoup de courant, parce qu'il a une tendance naturelle à adorer plonger. Ouais. Et j'ai vite fait de le retrouver à l'eau quand je suis en train de ramer. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà fait de la navigation en bateau ou en péniche sur les canaux savent qu'il y a un moment qui est très important, c'est le passage des écluses. Il faut faire attention. Et vous allez en passer plus de 500. Comment vous vous préparez à cela ? C'est très variable. Hein. Il y a des écluses où il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de péniches, il y a des systèmes automatiques, il peut y avoir des remous, il faut faire attention à ne pas perturber la navigation. Et puis, il y a aussi des tas de petites écluses magnifiques qui sont avec des plaisanciers, voire pas beaucoup de monde. Alors, après, il y a quelques contraintes. Souvent, par exemple, je ne peux pas naviguer la nuit. Mais bon, les 3000 km, comme le départ est prévu donc le 20 mai, pour une arrivée le 20 octobre, j'ai pas mal de temps, donc je suis pas avec une pression de tous les instants pour avancer le plus vite possible. Et ça vous permet de planifier des villes-étapes ? Vous allez passer par Lyon ? Alors, je passe par Lyon entre le 30 juin, en amont de Lyon, donc sur la Saône, et le 4 juillet, où je passerai donc près de la radio.
Oui, puisque nous sommes dans le quartier de la Confluence. Alors, la France étant une contrée beaucoup plus peuplée que le passage du Nord-Ouest, hein, forcément, vous allez donner une nouvelle dimension à votre aventure. On va découvrir votre côté social, hein, puisque vous allez rencontrer aussi des jeunes qui ont des difficultés à s'insérer. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis un certain nombre d'années. Ouais. Hein, donc, sur le désert de l'Atacama, en parallèle de mon expédition, désert le plus aride du monde. Mmh. On avait, avec Jamel Bouda, qui est responsable de toutes les activités jeunesse à l'intérieur de Respectons la Terre, on avait emmené tout un groupe de jeunes de Seine-Saint-Denis, de Montreuil en particulier, oui, qui n'avaient jamais fait de randonnée, qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis les pieds en dehors de la France. On les a emmenés sur un sommet de la Cordillère des Andes, avec comme objectif, évidemment, de pratiquer des aventures à leur portée, en mettant en avant, évidemment, toutes les valeurs du sport et de ce genre d'activité. C'est quoi? C'est le dépassement de soi, l'entraide, ce genre de choses? C'est le fait de se lever le matin, d'avoir des projets qui plaisent, oui, mais qui, en parallèle, nécessitent un peu de discipline, quelques contraintes. Il faut se préparer physiquement, il faut travailler en groupe, il faut faire attention à la sécurité, il faut se lever le matin, puis après, d'essayer de transposer ça, le but étant sur du travail, sur de l'insertion, sur de la formation, en alternance, en CDD ou quoi qu'il arrive, donc avec des partenaires privés qui nous suivent. Quand vous ne pouvez pas les emmener sur le terrain, quand vous les rencontrez en France, qu'est-ce que vous mettez le plus en avant? C'est votre parcours de chef d'entreprise ou celui d'aventurier? Un petit peu les deux, en mettant en avant que pour ce qui me concerne, il y a énormément de parallèles. J'ai toujours affiché une ambition très grande, aussi bien dans mon travail professionnel, hein, j'avais une société que j'avais créée de recrutement, que j'ai développée un petit peu partout en Europe, aux États-Unis, je suis arrivé à l'introduire en bourse. Bon. Et quand je démarre ma passion d'aujourd'hui, donc j'affiche là aussi la couleur, tout faire pour être au plus haut niveau mondial du sport-aventure. Maintenant, on peut être quelqu'un de très bien dans la vie et réussir parfaitement sans forcément avoir une ambition très très grande. Mm-hmm. C'est un petit peu la même chose sur le terrain de l'aventure. Il y a la très très grande aventure, passage du Nord-Ouest à la rame, je passe plus de 165 jours sur un bateau où j'ai à peine un mètre carré pour vivre, j'ai pas de chauffage, je me fais, comme vous l'avez dit, soulever par une baleine, attaqué par un ours blanc. Bon, là, on est vraiment dans la très grande aventure. Maintenant, l'aventure, elle est extraordinaire, et c'est tout l'intérêt de ce Tour de France, quand on se promène sur les canaux de France. J'étais à la Marina Port-Saint-Louis, où se trouve mon bateau, je me suis promené, je me suis entraîné, préparé un peu mon bateau, mais sur la Seine, c'est fantastique. C'est dépaysant, c'est très agréable. Pour la santé, c'est extraordinaire. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Il n'y a pas besoin, il n'y a aucun ou très peu de risques. On peut faire ça, chacun peut faire ça à son niveau. La randonnée sur les canaux et voies navigables de France, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et pour ce qui est du travail, c'est un peu la même chose. On peut faire des choses extraordinaires, créer une entreprise, mais on peut aussi, on va dire, s'épanouir, s'exprimer dans le travail en faisant des choses tout à fait accessibles pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est quelque chose, c'est des valeurs qu'on peut mettre en parallèle qui sont vraiment communes. Et on sait que vous n'êtes jamais entièrement satisfait, hein, puisque vous avez toute une liste de records à réaliser à l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas encore parti pour cette expédition en France, vous réfléchissez déjà au prochain défi? Alors, pas tout à fait satisfait, si, quand même, parce que quand je présente mon parcours, j'ai presque l'impression de rêver. Mm-hmm. J'avais mis la barre donc très très haute, mais depuis que j'ai démarré ma passion d'aujourd'hui, à l'âge de 45 ans, hein, donc quand je présente notamment toutes mes aventures, j'en ai fait tellement que j'ai l'impression de rêver. C'est-à-dire, même dans mes rêves les plus fous, alors que j'avais mis la barre donc très très haute, hein, parce que j'avais annoncé des tas de choses, j'ai eu tellement de réussite que le résultat est au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Donc plutôt que satisfait, on va dire repu, hein, vous avez encore une appétence pour les défis, quel sera le prochain? Je ne sais pas, j'en ai 42 à venir de projets listés, établis. Maintenant, comme d'habitude, je me décide au dernier moment pour prévoir le prochain. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans ce Tour de France à la rame. Maintenant, je peux vous annoncer, par contre, le 42e pour l'instant. Le 42e, je vais tout faire pour battre le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans, qui est détenu par quelqu'un qui s'appelle Marchand. Robert Marchand. Voilà, qui, de mon point de vue, est extraordinaire. Et il est arrivé, sur une heure, à faire plus de 27 km. Donc j'ai 42 ans pour me préparer. Merci Charles Edrich. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lionmac.com. Merci beaucoup.